Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un petit panier, vraiment petit. J'en ai besoin d'encore un pour dans ma salle de bain. Donc du coup, je vais en faire un en blanc, comme ça vous pourrez voir un peu mieux les détails au niveau des mailles. C'est une bobine que j'avais achetée il y a quand même un bon bout de temps hein, pour faire les bah, justement tout ce qui est panier. C'est plus du tissu que de la laine. C'est plus rigide hein, en fait. Donc ouais. Donc on va commencer hein. Alors moi j'ai pris un crochet de taille numéro 10. Et encore je trouve que j'aurais dû avoir un plus gros, mais bon, enfin avec les moyens du bord. Donc on va commencer par un nœud magique. Donc normalement on connaît tous le nœud magique hein. Hop. Donc on prend. Ça se crochète vraiment comme de la laine. Bon, c'est un peu plus compliqué quand même, je trouve. Mais bon. Hop. Du coup, on va commencer par monter 6 mailles serrées. Donc, une. Deux. C'est vrai que j'ai plus dur à tenir le bout, mais bon, faut s'entraîner, hein. Donc, on était à combien? Une, deux, trois. Une, deux. Une, deux, trois. Alors. 5. Du coup, il me faut la 6e maille qui sera hop et 6. Mazette. On se voit que j'ai pas l'habitude avec celui-là. Hop, du coup, on ferme le nœud. Où est-ce qu'elles sont mes. Et on ferme du coup dans la maille. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va fermer dans cette maille-ci, qui est bien sûr assez serrée. Donc on prend ici. Hop. Donc on a fermé notre nœud magique. Bon après ici, ça peut. On peut serrer un peu plus. Voilà. Mince. Tout va bien. Du coup, on prend toujours pour fermer le nœud le brin arrière. Donc quand on pique, normalement, on prend les deux. Là, on va fermer avec le brin arrière. Et voilà. Pour les débutants, on peut toujours mettre un petit rappel. Et je vais le faire aussi si je trouve un morceau ben, pour fermer. Ah, il est là. Hop. Donc du coup, moi, je vais me servir de ça. Bon, c'est pas non plus très folichon, mais bon. Donc du coup, une maille en l'air. Et on va faire une augmentation dans chaque maille. Donc, une augmentation, c'est-à-dire au lieu de faire à chaque fois une maille, on va en faire deux. Donc, par exemple, alors, on est.
Donc, du coup, hop, là, on pique dans les deux brins maintenant. Donc là, il y a un brin, là, là. Et on fera deux mailles dans chaque. Donc, une, deux. Alors, on reprend la prochaine qui est ici. Hop. Une. Deux. Le brin là. Une et deux. Oui, j'aurais dû prendre un crochet plus gros. Mais bon. Et deux. Hop. On prend les deux. Une et deux. Une fois que ça, on a compris, ça va assez vite. Hop, donc. Et deux. Alors, on est du coup à 1, 6, 2, 4, 6 et 8. 8. Hop. Les deux brins. Oui, je serre de trop, moi. C'est un de mes défauts, je pense. Donc, du coup, on commence à avoir un deuxième rond. Un. Et deux. On repique dans la même pour faire le deuxième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on aura du coup notre deuxième rond. Et 2. C'est vrai que si la laine est plus fine, il y aura plus de ronds à faire. Ça restera une fois le même principe, une fois qu'on aura compris. Donc là, on ferme. Dans notre, du coup, première maille qu'on a finie. Voilà. Où il y a notre marqueur. Et normalement, on prend comme ça pour faire une maille. Comme on ferme le rond, on prend juste la maille ici. Hop là. Et on a fermé. Hop. On enlève le marquage. On fait une en l'air. Et là, du coup, c'est différent. Donc, deuxième rond, on a 12 mailles. Là, ce qu'on va faire pour le troisième rond, c'est une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc du coup, ça fait, hop, on va mettre quand même ça ici, notre petit marqueur, et on y va. Une maille serrée, une augmentation, une maille, allez, une maille serrée, pas si serrée que ça chez moi, une augmentation, donc une maille serrée, et dans le prochain, nous allons faire une augmentation, donc deux mailles serrées. Donc, une maille serrée. Et du coup, l'augmentation, on repique dans le même et on refait une deuxième maille. Hop, et voilà.
Et là, on continue. Une maille serrée. Une augmentation. Je pourrais même faire un dessous de plat avec celui-là. Mais bon, donc on a une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Hop, ici, on pique une maille serrée. Une augmentation après. On repique dans la même. On fait l'augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. On refait une maille serrée. Une augmentation. Voilà, une maille serrée. Et là, du coup, notre marquage, il est là. Donc, on doit, hop, ici, on ferme notre cercle. Et on a notre troisième rang. Pour le quatrième rang, ça va être deux mailles serrées, une augmentation. Deux mailles serrées, une augmentation. Et comme ça, tout le long. Donc, une maille en l'air. Hop, et on n'oublie pas le petit. Normalement, à fur et à mesure, on n'a plus besoin de marquer quand on fait, mais on continue de marquer quand même ici. Du coup, une maille serrée, deux mailles serrées, une augmentation. Alors, si comme vous, comme moi ici, vous voyez que votre ouvrage, c'est que vous serrez trop. C'est pas censé, là c'est censé rester droit comme ça. Donc du coup, on est à deux mailles serrées, une augmentation. Une maille serrée. Une deuxième maille, du coup. Une augmentation. Une maille serrée. Une autre maille serrée. Une augmentation. Hop. Une maille serrée.
une autre maille serrée. Et l'augmentation. Du coup, où j'en suis, une maille serrée, une augmentation. Donc, double maille dans la même. Hop. Mon fil qui s'est accroché sous ma table. Voilà. Alors. Donc, une maille serrée. Une maille serrée. Et une augmentation. Une maille serrée, une maille serrée, et on ferme du coup notre panier, enfin, notre rond plutôt, avec, hop, on enlève la bride. Et voilà. Alors, on est à notre cinquième rangée, du coup. 1, 2, 3, 4. Et on va entamer la cinquième, où ce sera 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, à chaque fois, on augmente. Donc, le premier, ça a été une maille serrée, enfin, une augmentation dans chaque maille. Deuxième tour, c'est 2 mailles serrées. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Premier maille, donc c'est 12. Donc, une augmentation dans chaque. Puis voilà, c'est une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Puis c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Puis ça va être 3 mailles serrées, une augmentation. Et plus vous voulez avoir un sac large, plus vous allez devoir faire ça. Donc ici, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, hop. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Maille serrée, une augmentation, hop, on repart, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation. Une, deux, trois, hop. On fait l'augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et j'ai pas mis mon marque-page. C'est pas grave. Une, deux et trois. Une augmentation. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Et une, deux, trois mailles serrées. Vous voyez, j'ai serré trop fort. Hop. Alors du coup, c'est jusque là. On a la moitié. Et 3. Et on ferme. Hop. Du coup, voilà. Pour si j'aurais voulu en faire d'autres rangs, il aurait fallu, donc là c'est 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation.
Si je veux refaire encore un rang, ça sera 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation. Encore un rang dessus, 5 mailles serrées, une augmentation. Ainsi de suite. Moi, c'est la bonne taille pour ce que je veux faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est une maille serrée dans chaque maille, tout le tour, mais sur le brin arrière. Donc, maille en l'air, hop, du coup, une maille serrée dans chaque maille en brin arrière. Hein. Mais bon, je vous conseille aussi de vraiment faire avec un marque. Oh, qu'est-ce que je fais là? C'est beaucoup plus facile, surtout au début. Alors, on fait du coup tout le. Du coup, ça se lève de lui-même. Et voilà. On a fini notre rang numéro. Je vais y arriver. On ferme la maille. Et maintenant, on fera pareil que celui-là, sauf que on fera dans les deux brins. Du coup, on reprend, hop, et on va piquer dans chaque, hop, double brin. Et voilà, jusqu'au moment où on aura la hauteur que l'on voudra. Donc, on continue jusqu'au bout. On est bientôt à la fin. Hop, voilà, on pique pour faire. Et notre panier. Bon, moi après, je l'ai fait que de cette hauteur-là. Parce que c'est pour ma salle de bain. Donc, du coup, pour mettre mes cotons, je voulais pas plus large. Mais du coup, on ferme. On coupe. Comme ça. Et il n'y aura plus qu'à rentrer mon fil. Un fil ou là en l'occurrence tissu, je sais pas encore trop comment je vais le rentrer celui-là. Hop.
Je vais voir mon avis. Voilà. Et donc, du coup, on a la petite panière. Je dois encore rentrer ce fil-là. Et voilà. Donc, j'ai mes deux petites panières. Moins ça sera serré, plus tu vois, tu pourras. Voilà, ça va pas. Ici, par exemple, moi, j'ai fait serrer au-dessus parce que je voulais que ça se ferme un peu. Mais toi, t'es pas obligé, hein.